Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Petite vidéo, vlog, improvisé, il n'y a rien d'écrit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle loi a été promulguée pour encadrer les influenceurs et surtout les nombreuses dérives qu'il y a depuis des années. C'est une loi avec laquelle je suis d'accord, c'est hyper important d'encadrer. Après, je suis du même avis que Damien Bernal et je vous invite à aller voir sa vidéo sur le fait qu'on met un peu tout le monde dans le même panier et je trouve ça un petit peu dommage. Mais il en parle bien mieux que moi, donc allez voir une de ses dernières vidéos qui est un peu sous forme d'une FAQ, et la partie de la fin parle de cette loi, et je trouve son avis très pertinent, et je me range complètement à son avis. Me concernant, je vais évidemment me plier à la loi. Je suis toujours très clair sur la façon dont je travaille avec les marques, sur les prêts, sur les dons, sur les rémunérations. J'estime que ça fait partie intégrante de la chaîne et de sa philosophie. Mon but, c'est pas de vous faire acheter tout et n'importe quoi et de vous faire croire qu'une daube est un super produit. Je choisis et je sélectionne les marques avec lesquelles je travaille, je choisis les produits avec lesquels je veux travailler parce que je ne veux pas vous recommander de la daube parce que moi-même, je suis consommateur YouTube et avant d'acheter quelque chose, je regarde beaucoup de tests et j'apprécierais pas qu'on me mente. Donc, je ferai le petit liseré partenariat commercial sous chaque vidéo qui l'exige. Pour autant, je maintiendrai mon petit laïus de début pour vous expliquer comment s'est fait la vidéo, comment le partenariat s'est créé, quels sont les enjeux, quelles sont les sommes qui sont versées ou non, quelles sont les conditions dans lesquelles j'ai effectué ces tests-là. Je le ferai toujours, voilà, il y aura quand même le petit bandeau en dessous, mais avant les vidéos qui sont concernées, je vous ferai systématiquement un petit laïus pour que vous sachiez exactement où vous mettiez les pieds et quel est le niveau d'implication de la marque dans ce que je vous propose, c'est-à-dire, en tout cas pour le moment, zéro. Voilà, c'était un petit vlog improvisé. Il n'y a pas eu beaucoup de contenu cet été, mais j'ai eu beaucoup de boulot et j'ai eu besoin d'un petit peu de vacances, mais je vous prépare pas mal de trucs pour les mois qui arrivent. Il y a des vidéos qui étaient déjà prêtes, qui ont dû être repoussées parce que notamment une marque avec laquelle je bosse a dû repousser son produit, donc vous auriez dû avoir du contenu avant, c'était pas le cas. Mais je vous promets qu'à partir de la rentrée, ça va redémarrer, il va se passer pas mal de trucs. Donc voilà, j'en profite pour vous faire un petit laïus. Je ne sais pas si vous allez au salon de la photo, je m'interroge sur le fait d'y aller, parce que moi ça m'intéresse de rencontrer certains partenaires, de tester des produits, et puis accessoirement, même si moi je suis une crotte de nez sur YouTube, peut-être de vous rencontrer si on a quelques-uns d'entre vous qui se déplacent là-bas. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous envisagez d'y aller et peut-être que j'y pointerai le bout de mon nez pour vous faire une poignée de main chaleureuse. En attendant, prenez soin de vous. Salut !